Donc nous avons des sœurs de la Martinique qui étaient avec nous en Martinique pendant cette mission et aussi avec mon frère hein, qui est à ma droite, qui est aussi en même temps dans la fonction pastorale. Donc bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc vous êtes arrivé ce matin hein, aussi. Oui, on D'accord. arrive tout juste ce matin. Ce matin, ouais. Sur quel Et vol vous êtes Air Caraïbes. Un Caraïbe, ouais. Oui, Ça a été sur Air Caraïbes. Ça a été? Ça a beaucoup secoué Ça a quand secoué. même. Ouais. Comme nous ce matin, là, ça a Ça a beaucoup secoué secoué. aussi là. C'était. Oui. Mais bon, grâce à Dieu, on est bien arrivés. D'accord. Et effectivement, on a été richement, richement, richement Parce bénis. que vous avez participé, hein, toute la famille, On a au participé au programme de réveil, programme. ouais. Et Vous étiez aussi c'était. hier au Monde Rouge? On n'a pas pu y aller. D'accord. On n'a pas pu y aller. On a participé sur les 3 soirs précédents. D'accord. Et j'ai ma fille cadette qui a reçu le baptême. Gloire à Dieu. J'ai mon frère qui a reçu le baptême. Waouh. Ah oui, c'était vraiment. J'ai eu une guérison au niveau des hémorroïdes. D'accord. Tu souffres d'hémorroïdes? C'était Ok. moi. Depuis combien d'années? Ah, ça fait bien 6 ans que Waouh. je. Ouais. Là, ça va mieux, là? Ah ben, les amis, vous vous rendez compte? Voilà. Voilà le Mont Carmel. Voilà. On en parle. Et ouais. Et là, ben, les preuves sont là. Voilà. On s'est déplacé en famille. J'ai ma fille aînée qui, elle, était repartie dans D'accord. le monde Donc, celle qui est à après, ta gauche. oui, D'accord. après être passée dans pas mal d'églises et avoir été déçue. D'accord. Elle a commencé à suivre les enseignements, donc des enseignements sur Internet par la grâce du Seigneur. D'accord. Elle est venue donc à ces 3 jours et elle a été richement bénie. On a Gloire à Dieu. vraiment. Ah oui. Ah Vous avez reçu des BJC? oui. Non, elles ont pas. Non. Non, Moi, pas j'en encore. avais déjà eu. D'accord. J'en ai déjà eu. Et alors, c'est vrai qu'elle est venue me voir, ta fille, pour échanger un peu avec moi en Martinique. Et je l'ai encouragée hein, à persévérer. Et maintenant, comment tu te sens? Je me sens mieux, je me sens motivée pour Amen. Jésus. Amen. Et tout ce que j'espère, c'est que ça va tenir. Ah bah ça va tenir, ça va. Et voilà, je suis contente, dans une joie depuis, ben, effectivement, comme maman a dit, je me suis sentie bénie Amen. par ces 3 jours. J'ai reçu des messages et je les ai pris à cœur. Et tout ce que j'espère, ben, c'est continuer et rester ferme de Jusqu'à par la Dieu. fin, ouais. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, il y a ta petite sœur qui a reçu son baptême pendant ce programme. Alors, tu as 18 ans. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé? Pourquoi as-tu pris le baptême? Alors en fait, j'ai fréquenté les églises depuis toute petite D'accord. par le biais de ma famille. D'accord. Donc, il y avait déjà une relation avec le Seigneur. Et je ne voulais pas prendre mon baptême de manière précipitée. Je C'est voulais bien. vraiment prendre mon temps et ne pas me lancer pour après. Je ne voulais pas me moquer de Dieu. C'est bien. Donc, j'ai pris mon temps et j'ai senti que c'était le moment. Donc, j'ai pris mon baptême. Waouh. La gloire à Dieu. Ça, c'est Merci. très bien dit, hein. Donc, on ne peut pas s'engager n'importe comment, hein. Il faut bien réfléchir avant de prendre un engagement, surtout devant le Seigneur. Et ça, c'est bien. Donc, en tout cas, sois encouragé. Donc, il Merci. faut aller jusqu'au bout, au nom de Yeshua. Donc, vous Amen. repartez, vous rentrez donc début octobre Oui, en on repart Martinique. début octobre, oui. D'accord? Si Dieu permet, on va se revoir certainement en novembre, parce qu'on va repartir rapidement aux Antilles, parce que. Voilà, Dieu travaille et puis on a été grandement bénis. Y a une grande soif. As-tu quelque chose d'autre à dire aux frères et sœurs des Antilles qui nous suivent? La Guyane, tout ça Ben, en fait, je voudrais simplement dire aux frères et sœurs de, parce que personnellement, je le vis aussi, des combats par rapport au message, par rapport à la vérité, par rapport à toi aussi. Et je voudrais vraiment dire aux frères et sœurs de d'arrêter d'écouter l'homme et d'ouvrir le cœur au Seigneur. Amen. Parce qu'ils vont tellement comprendre les choses Amen. et ça va être tellement plus facile. Pour ne rien cacher, ma fille était très réfractaire à TV de vie. Par rapport à ce qu'elle avait entendu. Ah oui. D'accord.
enfin, mais entre autres. D'accord. Et le Seigneur a vraiment, depuis ces trois jours-là, le Seigneur lui a confirmé des choses par verset. Mm-hmm. Et voilà. Donc, gloire ouvrez vos cœurs, ouvrez vraiment vos cœurs au Seigneur et vous aurez la vérité. Gloire à Dieu. Voilà. Il y a beaucoup de jalousie, comme vous le savez, hein, vous qui nous suivez, il y a beaucoup de jalousie. Et là où le Seigneur travaille, l'ennemi cherche toujours à semer le doute. Jésus-Christ a été traité de Belzébul, hein, de faux prophètes, de séducteurs. Mais ça n'a pas empêché, n'est-ce pas, les vrais enfants du Seigneur d'écouter, de recevoir son message. Et le Seigneur disait, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Donc on ne peut pas cacher la vérité aux enfants du Seigneur. Tôt ou tard, les vrais enfants de Dieu finissent par reconnaître la voix du Maître. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Et je salue aussi en même temps les frères et sœurs de Saint-Martin qui sont venus nous rejoindre en Guadeloupe. Donc je ne vous oublie pas, nous ne vous oublions pas. Nous avons été, personnellement, j'ai été béni et surpris de vous voir en Guadeloupe. Et pendant 5 soirées hein, de réveil, et vous avez été motivés et nous avons été encouragés par vous, par votre amour pour le Seigneur. Et je tenais personnellement ce soir à dire un grand merci au Seigneur pour les frères et sœurs de Saint-Martin. Et si nous faisons un tour en novembre aux Antilles, on fera aussi, par la grâce du Seigneur, hein, donc si Dieu le permet, on viendra aussi à Saint-Martin prier hein, pour ce programme en novembre, que le Seigneur nous ouvre une porte afin de retourner chez nous. Parce que je dis chez nous, parce que j'aime bien et ces îles, parce que je me sens chez moi. Je crois que mon grand frère aussi qui est là, qui est aussi un homme de Dieu, peut l'attester. C'était la première fois que tu es allé aux Antilles. Oui, c'est effectivement la première fois. Donc, j'étais vraiment encouragé. Mm-hmm. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Mm-hmm. Et je demande en tout cas à tous ces frères et sœurs de la Martinique, tout comme de Guadeloupe, Saint-Martin, de voir tenir ferme. Mm-hmm. Parce que Jésus est à la porte. Mm-hmm. Donc, vraiment, on était bénis. Amen. Bénis, vraiment bénis. Les peuples ont soif. Mm-hmm. Donc, vraiment, je vous encourage, frères et sœurs de Martinique, des îles, à tenir ferme. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Demain, tu peux pas, je crois que tu es fatigué, tu ne veux pas faire l'émission là, un peu là, demain, 20h30? On va s'organiser. On va voir comment les Seigneurs comptent les choses. Gloire à Dieu. Donc, voilà. Donc, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Eh ben, j'ai des frères et sœurs qui sont chrétiens depuis des années et qui servent le Seigneur dans l'ombre. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de les pousser de l'avant, hein, de pousser pour qu'ils se lèvent davantage afin de servir le Seigneur ouvertement. Et voilà. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, un grand merci à tout le monde. Et je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Mes frères et sœurs. Ah, Paul, on n'entend rien. Il n'y a pas de retour ici, Benoît. Quel plaisir, quelle joie, mon frère. Ah, deux secondes, Paul. Simplement pour encourager les frères et sœurs sur toute la radio et sur toute la télé qu'on doit maintenant prier les uns pour les autres. C'est tout pour vous qui avez un ministère. On doit prier, on doit se laisser aller maintenant par la prière. Prions les uns pour les autres, arrêtons d'écouter les cancans et mettons investissons-nous complètement pour le Seigneur. Amen. Complètement pour le Seigneur. On doit se démunir, même financièrement, on doit se démunir pour tout amener au pied de la croix. Amen. Jésus-Christ. Pour que la parole soit diffusée partout, comme la sœur céleste là-bas en Chine, on doit soutenir ces personnes-là, les personnes que le Seigneur mandate à droite et à gauche, dans toute la nation, dans toutes les nations, on doit les soutenir par la prière, et aussi financièrement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans la joie, frère, tu ne peux pas savoir. Je vois la main du Seigneur qui arrive dans le nord, là. Tu vois, à Calais aujourd'hui, hein, tu vois tout ce qui se passe là. Oui, oui. Prière que le Seigneur répond. C'est extraordinaire ce que le Seigneur fait. La lumière arrive, mes frères et sœurs. La lumière arrive. Jésus revient. Soyons prêts. Lavons nos robes, s'il vous plaît. Lavons nos robes et arrêtons d'écouter les cancans. Voilà, c'est tout ce que... Je voulais simplement vous encourager à rester dans la sanctification et par l'amour du Père, parce qu'on s'aime par l'amour du Père. On doit plus s'aimer par l'amour des hommes. Voilà. Gloire à Dieu, Paul. Et c'est toujours maintenu le programme du 2 octobre? Oui, oui, pas de souci, frère. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux, si tu peux donner, je ne sais pas si tu as envoyé les informations à l'équipe de TV de Vie pour éventuellement faire une... Il n'y a pas de problème, je le fais maintenant, il n'y a pas de problème. Ok, ne raccroche pas, on va prendre les coordonnées et puis on va faire rapidement un slide. Je ferai ça à te soutenir, à te soutenir principalement toi parce que tu as un ministère qui n'est pas simple du tout. J'encourage mes frères et sœurs à prier pour toi, mon frère, pour toute l'équipe que le Seigneur a mandatée, parce que tu as besoin de force, tu as besoin justement
d'être fortifié par les frères et sœurs. On n'est pas uniquement frères et sœurs, on s'embrasse, on se serre la main, on n'est pas frères et sœurs, nous sommes des frères et sœurs du royaume. On doit s'épauler les uns les autres, on doit se fortifier, s'encourager les uns les autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ouais. Merci, merci Paul, merci en tout cas. Et je vous embrasse tous au nom de Jésus et puis restons dans la sanctification surtout et les yeux fixés à la croix. Jésus, c'est notre maître. Gloire à Dieu. Les autres, laissez-les. On les laisse. Effectivement, on avance, Paul. Ça, c'est bien dit. Amen. Et que le Seigneur soit béni. Et puis, de temps à autre, on met les pendules à l'heure. Et puis, chacun doit savoir ce qu'il veut. Pas de problème, frère. Et c'est, le Seigneur va. La lumière arrive. Donc, les cafards vont fichu le camp. Amen. Maintenant, bien dit. Les bouches vont réveiller. Amen. Les bouches, la vérité arrive. La vérité, le Seigneur, il est déjà en train de nettoyer son église. Là. Voilà. Maintenant, toute la boue va monter. Là. Il n'y a pas que ça. Puis maintenant, après, il y a le monde profane. Là. On voit tous les politiques, on voit toutes les nations. Un, deux, ces hypocrites, là, ces hypocrisies, ces mensongers. Là, tout. Et bien, ça monte. Là, la lumière, parce que la lumière arrive. Jésus arrive. Il est en train de nettoyer. Là. Il est en train de faire un nettoyage complet. Là. Effectivement. Que tout ça béni. Voilà. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Béni, mes frères et sœurs. À bientôt. À bientôt. Voilà, effectivement, comme Paul le dit, la lumière arrive et les cafards se cachent. Et ils vont jusqu'à accuser des jeunes frères qui sont mariés ici et qui sont mariés étant vierges. Hein, ils vont les accuser d'avoir eu des rapports pendant les fiançailles. Regardez-moi ces cafards-là, ces menteurs, ces hypocrites et, hein, qui sont complètement confondus par le Seigneur. Et Dieu est bon, mes amis, Dieu est bon. L'œuvre se fait. Les Chinois, la Chine est en train de toucher. Hein, des frères et sœurs de la Martinique sont touchés. Les nations sont touchées. Et tous les enfants de Dieu ce soir qui sont connectés doivent comprendre que nous devons avancer main dans la main pour proclamer le retour de Yeshua, proclamer la vérité avec force. Donc nous vous donnons rendez-vous demain soir 20h30 heure de Paris pour une nouvelle émission, pour partager la parole avec vous. Et aussi le lundi prochain, nous avons une émission spéciale à 20h30. Alors qu'est-ce qui va être dit, qu'est-ce qui va se faire, il y aura quoi? Ça, c'est une belle surprise. Et à 20h30, donc une émission, je pense que le Seigneur, une émission spéciale avec laquelle nous allons, mes amis, une émission qui va être produite, conduite par le Saint-Esprit, et je crois que beaucoup seront encouragés. En tout cas, merci à l'équipe technique pour votre mobilisation, parce que vous ne demandez pas un salaire, vous voulez simplement servir le Seigneur. Je tenais aussi ce soir à vous dire merci. Vous laissez vos enfants depuis des années pour servir le Seigneur et pour que les frères et sœurs accèdent à cette vérité. Vous êtes dans l'ombre, on ne vous voit pas toujours, mais par contre vous travaillez parfois plus que nous. Et que le Seigneur en tout cas se souvienne de chacun de vous, de vos femmes, de vos enfants, parce que depuis des années vous êtes dans l'ombre et il y en a qui sont venus vous trouver, hein, qui ont été vus ici et là et qui ont voulu, n'est-ce pas, prendre la place de Jésus-Christ. Voilà. Donc, mais en tout cas, que le Seigneur se souvienne de vous. Que Dieu soit béni. Alors, mes amis, à bientôt sur TV et Radio de Vie. Au revoir.